jours une petite vidéo pour comprendre la carte de la page 66 et observer ainsi l'inégal peuplement de la Terre par les hommes. Un rappel de vocabulaire tout d'abord. Le peuplement désigne l'occupation d'un territoire par les hommes. Avec la carte de la page 266, tu as pu te rendre compte que le peuplement de la Terre était inégal. En effet, les hommes sont apparus très nombreux dans certaines régions. C'est le cas par exemple en Europe, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, dans le Golfe de Guinée, dans le Nord-Est américain, ou encore dans le Sud-Est du Brésil. Très densément peuplés, ces espaces sont qualifiés de foyers de peuplement. Ce sont des espaces où la population est très nombreuse depuis très longtemps. À l'opposé, les hommes sont peu nombreux dans d'autres régions. Ces espaces de faible densité sont par exemple la Sibérie, l'Amazonie, l'Arabie, le Groenland. Ces espaces ont ainsi des faibles densités de population, c'est-à-dire un nombre d'habitants par kilomètre carré très faible,